Sylvain Tesson accidenté et le visage paralysé, mort n'a pas voulu de moi. Connu pour avoir vécu des expériences extrêmes, Sylvain Tesson a toujours tenté de repousser ses propres limites. Ayant déjà fait 5000 km à pied à travers l'Himalaya, traversé 31 pays en roulant 25000 km avec moins de 1000 euros en poche ou ayant vécu 6 mois seul dans une cabane en Sibérie sans électricité ni eau courante. Rien n'avait fait trembler ni faillir l'écrivain. Pourtant, il a frôlé la mort le 21 août 2014 en chutant bêtement alors qu'il passait une soirée avec des amis chez l'auteur Jean-Christophe Ruffin qui vit non loin du Mont Blanc. Alors qu'il célébrait la sortie de son livre Bérésina, l'écrivain habitué à escalader sans protection montagne. Immeubles et églises étaient tombés d'un gouttière alors qu'il venait d'escalader le bâtiment. Christophe Rella, directeur opérationnel des éditions Guérin à Chamonix, précisait pour sa part que l'accident avait eu lieu en sortant du restaurant où il fêtait la remise de son manuscrit aux éditions Guérin. Stylo Diva Place Hold D1 et A1, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, Div. A Place Hold D1 et A1, 8 620px, minimum et 350px, style. Ce soir-là, Sylvain Tesson, qui avait perdu sa maman Marie-Claude Tesson Millet quelques semaines plus tôt, faisait une chute de plus de 10 mètres aux conséquences catastrophiques. Après 10 jours dans le coma, l'écrivain se réveille et comprend qu'il a les vertèbres et le crâne en miettes. Sourd d'une oreille, il a également perdu le goût et un côté de son visage est paralysé. Je crois profondément aux enchaînements, à cette idée de domino, mais pas à l'existence d'un dieu qui manipulerait nos destins. La mort n'a pas voulu de moi, je n'y ai fait qu'un aller et retour rapide. Quand bien même elle aurait voulu de moi. Ce n'était pas très désagréable. Cet accident m'a conforté dans l'idée qu'il faut absolument aller chercher la mort violente. Le fantasme collectif de mourir dans son lit au terme de longues souffrances éventuelles est une horreur. Avait confié l'écrivain à l'Express en 2015. Après plusieurs mois de convalescence, il était réapparu dans l'émission On n'est pas couché, France 2. Venu avec des lunettes de soleil noir, l'écrivain encore faible se tenait parfois la bouche pour mieux articuler. Soulagé de constater que son invité était de nouveau sur pied après ce terrible accident. Laurent Ruquier n'avait pas caché avoir été très inquiet pour lui.